Bon, écoutez attentivement la version de Dianamé. Ne mettez pas tous les organes. Nous, on reste seulement sur Facebook. Ça vient nous trouver. Écoutez, que ta cousine a fait comment, ma? Tout ce qui suivait, tout ce qui avait fait le bruit sur Facebook, sur WhatsApp, m'a bloqué. Jusqu'au bout de lui, même virgule, même A, il n'est pas dit. Ça, c'est bon. Même A, elle voit encore sur Facebook, comme au propos, on ne le dérange pas. Elle va taper où ça fait mal. Elle va envoyer les messages à ton gars. Oui. Et va demander. Non, non, non. Oui, c'est le jour là que moi j'ai commencé à pleurer. Maman, si tu me disais les messages là, si tu me disais les... C'est Emma qui me disait que calme-toi, tu vois pas que c'est la jeune, calme-toi. Crie seulement que ton visa sorte, tu quittes de là. Ma dernière semaine au Cameroun, j'ai pris mon équipe de tournage, j'avais même bien peur de rester chez moi. J'avais pris les escalibus que venant tourner pas en Côte d'Ivoire. Parce que je voulais pas que peut-être je rentre là-dedans avec quelqu'un me croit. Parce qu'il avait dit que maman... Elle va me tuer. Maman, si tu lis... Moi, pas un peu, si tu lis les messages là, tu auras froid d'eau. Tu auras froid d'eau. Si c'était qu'il était là, que non, il vient seulement pour gnoxer et partir. C'est que nous sommes même plus ensemble. Ça faisait peur. C'est pas un gars qui gnoxe pas, ça non, faisait peur. Moi, je reçois un truc comme ça là. Quoi, la soeur de mon frère, ou bien je sais pas, je vais me poser des questions. Quand même, je vais me poser des questions. Là. Oui. Je vais me poser des questions. Oh, elle est enfermée dans la bouteille. Elle parle avec ton nom sur la marabout. Elle est rentrée de Dubaï avec ton sperme. Je parle avec toi. Voilà. Je te jure. Oui, il faut quand même avouer que ton marabout est fort. Oui, mon marabout est fort. Mon marabout est très fort. Très, très fort. Venez, Ibé Poulou, les mots Contactez-moi pour mon marabout. Contactez-moi pour mon marabout. Non, mais sérieux. Si la soeur de Manga me dit que Tanga a pris ton sperme, quoi. Je te dis, juste à l'heure, moi, c'est comme ça. Juste à l'heure, moi, c'est comme ça. C'est là où elle a me fille. Je dis que, juste comme il m'avait offert le voyage pour Dubaï pour mon anniversaire. On va se passer. Dans les messages, je dis que je suis rentrée de Dubaï avec son sperme. Le moment, c'est le changement qu'on a fait pour. À quel moment j'avais porté le sperme? En mettant même d'abord. Nous, on n'utilisait pas les présents. Donc, dis-moi un présent. Peut-être que le présent, on va s'attacher à qui met dans la valise. Et c'est lui qui faisait ma valise. Non, vous, l'engagez. Après, tu vois à la douche. Après, tu vois à la douche. Il y a un mélange avec ta part. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme si il y a un mélange avec ta part. C'est horrible. Horrible. Oh, elle est seulement là parce qu'elle veut partir en Belgique. Elle a tué le père de son enfant en vivant avec sa mère. Sa mère, tu dis, maman, si tu lisais ça. Donc, tout le bouquin que faisait sur Facebook, moi, n'avais pas parlé parce que, tu peux en mettre même un live comme ça. Oui, ça va lui donner la visibilité. Mais elle savait qu'elle a, elle a touché, ça fait mal. C'est qu'elle, elle sorte des sottises à Emma. Des sottises. Et en tout cas, le jour-là, Dieu, le jour-là, j'avais tournage avec deux blancs. C'était un mercredi, il était au Cameroun. Il y a Mamiko, on est parti voir Mamiko, on voulait nous recevoir chez elle. Donc quand il sort du tournage, comme ça, il dit que ouais, je suis fatigué, ben, on va me laver. Et puis on part chez Mamiko, c'est lui qui me dit que non. Mais on part, comme tu es long dans le quartier, on part, tu n'es pas sale, tu viens de laver, quoi, tu dors. C'est comme ça qu'on arrive chez Mamiko. On arrive chez Mamiko, on s'assoit comme ça. On s'assoit. Même, depuis, on avait fait 15 minutes. Même pas. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ah, pardon. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ta cousine est encore. Ouais, ta cousine. J'ai demandé à mon voisin que pardon, il m'appelle. Il est en appel vidéo. Elle était venue ce jour avec deux ou trois autres filles. Et ils vont en ligne de miel demain. Elle avait les téléphones. Tu vois, les gens que depuis qu'elle parle là, tu fais tout, je ne réagis pas. Donc, le tout, si elle va venir me trouver à la maison, elle filme, elle envoie sur Facebook pour savoir ce que c'est qu'elle dit, elle est vraie. Mais Dieu m'a esquivé comme ça. Il dit comme ça là. Non, toi non, bébé. Oui, pour la première fois, j'ai écouté. Donc tu n'écoutes jamais. Oui, bébé, je t'écoute jamais. Mes voisins m'appellent, je dis que. Mes voisins, comme ils étaient dans un temps, non. Mes voisins disent même que tu ne vois pas que la porte est fermée. Tu parles avec qui? Elle sort du camp, elle passe parce que sa maison, ma maison, il y avait un petit carrefour. Elle s'assoit au carrefour là. Bavarder jusqu'à 23h du matin, comme c'était une petite folle. Je t'ai dit bavarder. Tu es là-bas. Tu as la force. Si Emma n'était pas au Cameroun. Tu as la force. Ouais. Elle et moi, on avait la bavarder. Si Emma n'était pas au Cameroun, je dis que j'enlevais ma casquette de fille d'un réseau comme ça, on allait se mélanger dans la main. Et c'est ma grande soeur. Elle a bavardé très mal. Mouf, tu as la force. Je t'ai dit la vérité. Est-ce que c'est que je l'ai jamais battu? Elle a bavardé très mal. C'est que Dieu a seulement voulu m'éviter. Me faire rire. Dieu a grâce. Je dis que m'éviter comme ça.
Elle a bavardé, ça fait 3h minuit, elle bavarde, Et m'a dit que jamais. Et si là, tu ne dors pas chez toi, pas dormir avec elle. Quand elle dormait, elle avait, mais voilà, ça m'a appuyé son cou. Kangala, jamais de propos, tu lui les wifi. Que non, laisse. Je te paye un voyage pour Dubaï, non, laisse. Elle bavarde, je te paye de la nuit. Depuis qui? Depuis quand moi, Laisse pas taper, je te jamais. On part à l'hôtel. Nous sommes couchés comme ça quand on a passé toute la nuit à l'hôtel, le matin qui prend mon téléphone, premier message de elle. Et tu vois le genre que tu as ta soeur, c'est même pas mon égal, c'est ma grande soeur. Le genre que tu lui dis tout, tu te sens en confiance et tout. Et puis elle m'a dit de ces choses, Tantine. De ces choses, ça m'a donné froid au dos. Mais elle m'a été très posée, elle m'a dit calme-toi. Et elle a tout ça, c'est qu'elle s'est mariée. Maman. Même son père. Moi non, c'est Dieu. Moi je prenais ça avec tellement d'agitation et moi j'étais posée. Je dis calme-toi. C'est tout. C'est tellement normal. C'est tout ce qui arrive là. C'est, tu ne vois pas que c'est la jalousie ou la sorcellerie. Tu dis que j'avais peur le jour là. J'avais peur de rentrer chez moi. Tu sais que quand quelqu'un vient parler devant ta porte, tu ne sais pas si c'est seulement la simple parole ou bien la personne a versé les remèdes. Je suis partie. Je suis partie voir le curé de la paroisse de mon nom. Que papa, je ne peux pas poser les pieds chez moi. Moi je peux. J'ai vu une situation là, il m'a imposé la main, il m'a donné l'eau bénie, j'ai pleuré, et moi m'attendais. Je suis partie, j'ai fait la prière, connu les sangs. Mais si elle est simplement venue parler dans la nuit, comme elle parlait, lui. Mais si elle est venue pas faire même quelque chose, là, où elle va traverser mon pied, va faire un genre. Ça va passer sur moi comme l'eau sur la feuille du macabre. Je suis pulvérisée, j'ai prié, nous sommes entrés. On se voit deux jours, après on te dit que c'est celle-ci là qui parlait devant ma porte, en s'agitant, en réveillant le quartier. Est-ce que passe en face comme ça? Avant que tu ne sois star, elle venait te voir, vous discutez. Ouais, voilà, tu parles de quoi même? Elle s'occupait d'elle. Elle et moi, non, on sort de loin. On sort de loin. Parce que quand le père de Raphaël était. Mais ça, c'est votre problème. Attends, vous sortez de loin et tu brises avant elle, pourquoi? Attends. Elle a brisé avant moi même. Elle a brisé avant moi. Quand le père de Raphaël était dans notre petit studio au Bala. Donc, et elle aussi, elle était dans sa petite chambre à Oba là-bas. Le genre que tu arrives comme ça, il te donne l'argent, tu chantes, tu fais un peu de riz, un peu. On était vraiment, elle était vraiment mal à Oba là. Donc, quand j'ai l'argent pour le marché, tu fais un peu de riz, un peu de machin, tu fais un petit truc ou bien tu l'appelles comme un avion, mange. Quand je suis arrivée chez elle maintenant, parce que c'est mari, moi j'étais pas là, elle a accouché, j'étais pas là. Donc, elle partait juste pour lui dire félicitations et tout, lui rendre visite quoi. J'ai vu où elle habitait, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes parce que je sais où elle sort. Elle était dans une chambre avec le matelas au sol. Une vie, vraiment, tu vois. Et puis j'arrive quelques années après, elle amène donc dans une grande maison, trois chambres bien équipées et tout et tout. J'ai dit, gars, chaque jour que tu te réveilles, tu vas rentrer à sa vie, maman. J'étais fière pour elle. Elle s'est mariée, elle vivait bien, elle vivait sa petite vie là. Mais je ne sais pas pourquoi, quand maman pas arrivé, c'était comme si je ne sais pas, je ne comprends pas. Je lui disais tout. Je lui disais, je ne peux pas aller mal à lui dire. Il peut pas aller jusqu'à la fin. Je peux pas aller jusqu'à la fin. C'est horrible. Je suis un gars de glace, mais je peux pas aller jusqu'à la fin. Tu ne peux même pas aller, c'est horrible. Et c'était comme ça que je vois un message kilométrique. Si j'étais une autre personne, je vais seulement te dire que c'est un homme que je t'ai demandé. Oui. C'est quelqu'un qui n'était pas vraiment sérieux, je te jure. Il partait. C'était l'alibi parfait pour partir. Elle dit que c'est ta voix comme cousine qui parle comme ça, c'est que c'est vrai. Ça veut dire ce qu'il dit. C'est qu'il partait. Oui. C'est horrible. C'était vraiment horrible. Tu penses que tu ne peux pas aller tout. Tu ne peux pas tourner. C'est là que j'ai coulé les larmes. J'ai dit yes. Oui. Oui. Quand j'ai raconté ça, Dieu n'est pas fait, Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Et tu ne peux pas. Comme on dit souvent, c'est Emma qui dit souvent qu'on ne combat pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Quand tu as la grâce, non, fais, tape, ouais, tape où tu veux taper, où tu Dieu a dit que c'est ici. Là. C'est là, c'est ça. C'est ici. Mm-hmm. Tape où tu veux taper, on ne combat pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Elle a tout fait, mais rien. Elle passe comme ça. Ah oui, on a donné le canard. Elle a fait la deuxième partie. La deuxième partie où j'avais raconté dans le truc, le live de Ruby là. Où les gens sont partis, ils disent, oh, si tu entends ce que Mimi dit, tu donnes un match. Elle a dit que c'est sa mère qui a quitté son père. Ouais, voilà. Elle est partie. Donc, elle a contacté Isabelle la camarade. Oui, pour commencer à raconter les choses, machin. La camarade de moi, elle a dit que maman, laisse le directeur la passe. Moi, si je veux suivre ce que ma cousine me reproche. Parce que moi, je ne sais pas. Vous avez dit que Franco est papa comme ça.
Le monsieur qui est devant Diane Namala, il fait quoi, s'il vous plaît? Mettez un peu en commentaire. Je ne sais pas, il fait quoi? Il est en train de faire quoi, là? Il boit le lait. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.